Chaque couple se met au diapason des deux autres sur ce pas de trois, tout en harmonie, pour le bien de la chorégraphie, bien entendu. Le travail aux longues rênes est né en Italie, remonte au XVIIIe siècle, c'est ce que vous allez voir maintenant. Ce n'est que bien plus tard que l'emploi des longues rênes fera son entrée dans l'équitation académique à la française. Cette technique plus précise que la longe a une place particulière dans la formation des jeunes chevaux. Elle leur permet de s'exprimer en toute liberté, sans contrainte de poids du cavalier, toujours pour cette école portugaise sur les rythmes du fado.